Odienné, capitale du Kabadougou, capitale fiscale des régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou même. Nous sommes à plus de 900 km d'Abidjan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Partie de zéro en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Partie d'une situation zéro, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-175 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. À l'origine de cette embellie, une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions, des règles essentielles du système déclaratif. Nous savons très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons d'abord sensibilisés. De telle sorte que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durée de cette période de tolérance, environ 2 ans. Pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activité économique dans la région. De plus en plus, nous constatons que il y a des activités qui se créent. Il y a les cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à Touba avec le complexe sucrier de la localité.